suministro eléctrico antes de su máquina, antes de cambiar agujas. 1. Suba las agujas tan alto como sea posible girando el volante hacia usted. 2. Afloje el tornillo de cepo y retire las cepas 2 a 1. Lo que es el control. Ik wil jullie vandaag even laten zien dat de mini-wandmachine dus geen batterijen, geen stroom, zo overal te gebruiken. Het is ook nog heel klein, hij is denk ik 10, 11 centimeter lang en denk een centimeter of 8 hoog. Préparation de la machine à coudre. Faire passer le fil par le trou de la canette. Placer la canette sur son axe et poussez-la vers la droite. Maintenez le bout du fil dépassant. Okay. Alors, sélectionnez la vitesse sur rapide. Pressez le bouton arrêt-marche pour commencer. Après quelques tours de canette, arrêtez le fonctionnement de la machine et coupez le fil dépassant du trou. Placez le canette B qui accent. Continuez d'enrouler jusqu'au stop. Après le remplissage de la canette, arrêtez la machine. Sélectionnez la vitesse Bougelagao B. Coupez le fil, replacez l'axe à gauche et ôtez la canette. S'assurer que l'axe à gauche. Ne jamais mettre le dévidoir vers la gauche pendant l'embobinage. Bon, je crois que je vais demander à ma mère. Bu machine bi commencé tourner tout arrêtez-le comme ça nga couper fil bu dépassé won bi après nga continuer djom ñaar bu canette bi fessé taxawal lo machine bi djom ñet dagal fil bu to stop the needle from functioning. The top of the sewing machine is called the top cover. The carrying handle is used for transporting the sewing machine. The spool pins hold thread strips. The thread guides guide the thread coming off the spool on its way to the needle. The bobbin winding spindle spins the bobbin to wind the thread. The bobbin winding stopper stops the bobbin from spinning when it is out of thread. The bobbin winding pressure regularly regulates the fil par le trou de la canette. Placez la canette sur son axe et poussez-la vers la droite. Maintenant, le bout de fil dépassant. Voir schéma. 4. Sélectionnez la vitesse sur rapide. 5. Pressez le bouton arrêt-marche pour commencer. 6. Après quelques tours de canette, arrêtez le fonctionnement de la machine et coupez le fil dépassant du trou. Continuez d'enrouler jusqu'au stop. Après le remplissage de la canette, arrêtez la machine. Replacez l'axe à gauche. J'ai un filage fil supérieur. Starting sewing, speed adjustment lever. Speed adjustment lever can control the sewing speed. To increase the speed, slide the lever to right. To decrease the sewing speed, slide the lever to left. En mesure de sécurité, débranchez la machine. Ôtez le pied de biche. 1. Levez l'aiguille en tournant le volant vers vous. Mettez le pied de biche en position haute. 2. Agujas y empuje lo más adentro posible. Enhebrado del hilo. Al enhebrar la máquina desde el principio, el enhebrado debe ser hecho siguiendo los pasos detallados a continuación. Primero, enhebrado del crochet inferior A. Segundo, enhebrado del crochet superior
B. Generalmente, enhebrado de las agujas. C. Y D. Enhebrado del crochet inferior. Place la barre aiguille en presión la tapa frontal le volant vers la derecha. Desserre la activación de la Afirme el hilo sacado del cono y páselo a través de la guía 2 del guía hilos telescópicos. Y después, siguiendo el orden, a través de las guías 3, 4 y 5, finalmente por el disco de tensión 6. Petite, alors insérez la tige supplémentaire dans le fil devant la machine. Placez le fil dessus la tige porte bobine. Petit 2. Pour le cheminement du fil, placez le selon le schéma. Petit 3. Faire passer le fil par le trou de la canette. Placez la canette sur son axe et poussez-la vers la droite. Maintenant, le bout du fil dépassant. Attention, voir schéma. Petit 4. Sélectionnez la vitesse sur la bouteille. Pressez le bouton. Arrêt. On top of the machine, we have an adjustment here for our pressure foot. And then further down, we've got four different thread tension adjusters. Now, the thread tension adjusters are color-coded.